siège. Mais à croire que Guignol n'est pas jeune à mes jours. Oh, je suis chargé avec toutes mes valises. Entrons, posons les valises, fermons la porte, ôtons le chapeau et le manteau. Ah, ça fait du bien d'arriver chez soi. Il fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Une casserole sous mon matelas. Une casserole qui bouge toute seule, ça c'est pas normal. Déjà une casserole sous mon matelas, c'est plutôt original. Les casseroles sont dans la cuisine. Bon, attends. Attends un peu que je regarde. Levons un peu. Ah, oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une quoi? Oh, mais non, vous n'y êtes pas du tout. Vous voyez pas que c'est un éléphant? Celle-là, ce n'est pas une souris comme les souris de cire que l'on voit au musée Grévin. Bon, attends. D'abord, je ne veux pas de souris chez moi. À plus forte raison sous mon matelas et le tout dans une casserole. Alors écoute-moi bien, toi la souris. Je ne sais pas par quelle opération tu as pu arriver jusqu'ici, mais tu vas me faire le plaisir de déguerpir. Bon, alors c'est par ici. Viendez, mon bon ami, viendez. Nous allons rentrer là, dans l'antre du dragon. Raconte-moi un peu les soucis que tu as avec la mairie de... Ah bah Hidalgo, bah t'as bien lu le courrier. J'ai reçu ça fin janvier, ça a été le courrier parti fin janvier. J'ai retiré ça en recommandé début février, elle me donnait jusqu'au 28 février pour retirer mon matériel. Et que si ce n'était pas fait, la ville de Paris engagerait des mesures d'expulsion. Enfin, engagerait une procédure d'expulsion, plus exactement. Ce à quoi j'ai répondu par un courrier dans la même mouvance de la mi-février à peu près, où je leur demandais de reconsidérer leur position, que leur argumentation ne tenait pas et que de toute manière je ne partirais pas. Et dans la foulée, je les ai collés au tribunal administratif. J'ai fait par le moyen moderne, comment on appelle ça, l'Internet, voilà, l'Inter, qui n'est pas très net, mais enfin bon, l'Internet, c'est pareil que ça marche. Pareil qu'il y a des boîtes mail qu'on peut envoyer des courriels. Donc j'ai refait un petit courriel de rappel en mars dernier, ou en avril dernier, si ma mémoire est bonne. Pas de son, pas d'image pour le moment. Bon. Donc à mon avis, les députés doivent vraiment être sérieusement dépité. Alors la politique de Madame Hidalgo, et de ce qu'on a pu en percevoir, du moins de ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'elle vend. Elle vend Paris. Elle le dégoûte. C'est comme un gros gâteau d'anniversaire. Quand il y a beaucoup de monde pour l'anniversaire, on fait des parts. Le gâteau, on te le fait en quart, en huitième, en seizième. Bon, pour que tout le monde... Et ça part du gâteau, si je peux dire. Parce que c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de découper Paris, puis de le vendre. Au Qatar, à Monsieur LVMH, à Xavier Niel, à Bernard Arnault, enfin j'ai déjà cité, à Monsieur Laurent Dumas, à Unibail Rodamco. Enfin, c'est dans les appels d'offres publics, légaux, qui à mon sens, mais ça n'engage que moi, sont parfaitement... complètement et merveilleusement truqué, donc de la poudre aux yeux, et qui c'est qui s'en met plein les poches? Toujours les mêmes, au détriment de qui? Nous, les contribuables parisiens. Parce qu'on casque, hein. Ça pour casquer, on casque. Hein. Ben enfin bon, il paraît que cette bonne aloi, ça coule de source. Le Parisien est devenu la fontaine municipale, ça coule de source. J'ai eu une audience le 28 juin dernier, au tribunal administratif, avec un avocat. J'ai eu le résultat de l'audience par le résultat de la procédure
Le 13 juillet, ils ne m'ont pas donné raison. Donc j'ai fait appel. Je repars pour un an et demi. Tant que c'est pas jugé définitivement en dernier ressort, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ben, je vais te donner. J'ai un petit tour et je suis ça. Je vais te donner l'adresse du site. Oui. Je m'y attelle depuis un an, mais bon, ça va. Mais il faudrait que ça soit partagé. Je publie des pamphlets joués par Guignol et Niafron, mais qui ne s'adressent exclusivement qu'aux internautes adultes. C'est qu'ils ont voulu me virer, là. Oui, je sais. Donnez-moi deux petites secondes, ça, monsieur. Il veut attention. Oh non, pas une navette jaune. Non, là, tu le fais exprès. Tu le fais exprès. On les attend, n'est-ce pas? Alors là, tu vois le préau, là. Oui. Ils t'ont fait un tableau en mosaïque. Mais il y en avait un avant. Ouais. Ben, ils l'ont tagué, là. Ils ont fait ça. C'est pas mal. Voilà. Ah oui, t'as mis quand même une grande affiche. Hein. Fut une époque, ça a eu marché. C'est à manger, hein, mon cher. Fut une époque, ça a eu marché. Voilà. Alors toi, ils m'ont fait une belle pergola. Ah ouais. Toi, pour m'abriter du regard des immeubles voisins. Oh merde ! Merde ! On ne l'a pas couverte. Ouais, j'aurais pas ça. Je joue pas pour la galerie. Hein. Entrez, mes bons messieurs ! Entrez ! Ils auraient pu la couvrir, ne serait-ce que quand il pleut et ça protège les enfants. Bah voilà. Ah oui, vous comprenez, on ne peut plus construire en dur dans la ville de Paris. Dans les jardins, on ne peut plus. Hein ? Ils mettent des plaques de verre et puis c'est tout. Enfin, de fibre. De fibre. Ah, dis donc, elle a un peu l'Arthur Peigne, hein, là. Alors, on ne reconnaît pas le voleur des beaux quartiers, l'assassineur du peuple. L'égorgeur du travailleur. Alors quoi, toi? Hein? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Elle plaide pas ma tête? Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Quoi ma tête? Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Quelque chose qui te va pas, qui te revient pas? Pareil qu'il y en a, il en a même fait un disque. Pareil même que c'est disque d'or. Oh là 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 là, quelle époque! En attendant, moi je vous dis tout net, je préférais la mienne d'époque, c'était bien. Tu te planquais au détour d'un carrefour, en plein sous-bois. T'attendais que la caravane passe et la craque, tu t'en mettais plein les poches! Maintenant, ils s'en mettent plein les poches, mais avec d'autres techniques. Quoi? T'es pas de mon avis? Ah ouais, d'accord. Rejoindre les gilets jaunes. Hey, je sais pas si tu vois. Moi, déjà, je suis trop facilement identifiable avec mon petit costume à carreaux. L'Écossais de la République. Pour une fois qu'on m'a pas encore écossé comme les petits pois. Allez, couper, ça vaut mieux, quoi, parce que tout ce que j'ai à dire, ça ferait peut-être pas trop plaisir. Où il est l'enjeu? Il n'y en a pas. L'enjeu économique, il n'y en a pas. Par contre, l'enjeu culturel et patrimonial, oui, il y en a. Il y en a. Tu connais le parc Montsouris? Oui. Dans le bas, vers l'avenue Rail, où il y a le théâtre Guignol, oui. Le manège, là. Oui. Il y a un vieux chalet Napoléon III, oui. où il y a un restaurant. Mmh. Il est classé. Le chef, il est étoilé, dehors. Là, il est en train de se battre pour renouvellement de concession. L'entrée, le ticket d'entrée, 1,5 million. Parce qu'ils veulent 1,5 million d'euros. Ah, voilà, faut tout refaire. Vous refaites tout. On vous donne pour 5 ans. Oh, peut-être 3 ans. Ben, il y a bataille. Forcément, il y a bataille. Ouais, dehors. Sais, on dit dehors. Là, c'est pétition, machin, enfin comme moi. C'était pour appeler les enfants? Ah oui, mais c'est toujours pour appeler les enfants. C'est toujours pour appeler les enfants. En fait. Je suis la plus vieille cloche du parc. Toi, parce que là, il y a les nouvelles. Moi, je suis la plus vieille cloche du parc. Eh oui, tu as raison, pour appeler les enfants. Tu as entièrement raison. C'est pour appeler les petits gones.
Et dis donc, t'as pas appuyé sur le bouton? Est-ce que ça tourne? Parce qu'avec lui, faut se méfier. Des fois, c'est tourné manège. Ouais, c'est pour du Yveline Leclerc. Bon, alors, est-ce que ça marche? Eh, oh, je te cause! Ah oui, il est comme la présidence, il répond pas. Mutisme le plus complet. Ah là 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 là, là les gones, on est mal partis, toi. Eh, bouge pas, je reviens, je vais mettre mon gilet jaune. Hein? Ah ben voilà. Il y a un siècle. Il y a un siècle. Alors, ça vient, on va quand même pas y passer la journée, moi, petit chinelle, depuis 4 siècles, 1650. C'est que ce n'est pas trop la température adéquate pour mes vieux os, mon arthrose, mes rhumatismes. Il y a que là-dedans que ça fonctionne encore, que ce n'est pas trop rouillé. Ah mais c'est parce que je ne bois pas d'eau ferrugineuse. Non, non, moi je me laisse porter par nos grands vins de Loire, de Bourgogne, du Valais du Larro, du Valais de la Vallée, du Rhône, voilà. Oh, j'avais presque oublié.